Du chocolat là, c'est la première fois. Tu mets du chocolat. Ici, on va faire des croissants. D'abord, il faut installer la pâte, une pâte carrée. On va faire trois petits traits bien droits. Et après, on va couper un peu horizontalement en triangle. Et après, quand vous avez coupé, on met du chocolat, Nutella, confiture, etc. On va faire des petits croissants. Donc d'abord, on enlève un peu comme ça. On le met au-dessus du chocolat ou de la confiture ou du truc. Et on tourne tout doucement. Pas vite comme ça. Pas vite comme un flash. Clara, tout doucement. Ou si ça on tourne trop vite, ça va un peu faire comme cela si on tourne un peu trop vite. Mais quand même, ça va. Donc, tout doucement. Et dès qu'on est arrivé à la fin, on prend la petite pointe, on la met ici. La pointe pour faire le croissant, la pointe doit être toujours en haut comme ça. Et dès qu'on a fini, oui, on arrondit les petites papotes. Je commence à... On va coller les deux petites papates l'un et l'autre comme un crabe qui est en train de pincer l'autre main. C'est les croissants de Léa. Celui-là, il n'était pas très bien fait. C'était mon tout premier, mon deuxième et là, mon troisième. Bon, on va continuer. Alors, bon, on fait comme les autres. On remet un peu. Bah, fais attention, sinon je passe. Ok. Bonjour, bonjour plutôt. Bonjour. Maintenant, on va mettre les petits croissants au four. Et au moins, là, c'est terminé.